Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer Fortnite sur iOS, que ça soit sur iPad ou sur iPhone. Dans mon cas, ça sera sur iPad. Mais sachez que sur iPhone, ça sera exactement la même manipulation. Comme vous le savez, Fortnite est banni de l'App Store. Je ne sais pas pourquoi, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode très facile pour avoir Fortnite sans passer par l'App Store. Mais avant ça, si tu es nouveau ici, abonne-toi. Car ici, on apprend beaucoup de choses importantes. Active aussi la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Bref, on va d'abord aller sur Safari car on aura besoin d'une application qui s'appelle GetThis. C'est une application qui permet d'installer différentes applications. Donc, on l'installe. Normalement, ça ne prend pas du temps. Une fois qu'on voit ce message, on appuie sur autoriser. Voilà, le profil est téléchargé. Ensuite, on va aller dans réglages, puis sur général. Ensuite, sur profil. Donc, vous voyez profil téléchargé. On tape sur Zeus, puis sur en haut à droite, sur installer. Ensuite, vous saisissez votre code. Hop, voilà. Et donc, vous faites ensuite installer. Une fois que c'est fait, on clique sur l'application Zeus. Donc là, il y a quelques pubs, mais on peut supporter. Vous voyez qu'il y a plusieurs applications, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Fortnite. On clique sur Fortnite. Puis sur Installer. Et là, ça commence à se télécharger. Une fois le téléchargement terminé, on ouvre Fortnite. Et donc là, on arrive sur le launcher Epic Games. Et là, vous avez différents moyens pour vous connecter. Et ensuite, vous aurez plus qu'à jouer tout simplement. Et vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a aidé. Commentez, likez et partagez. Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.